You're watching a Fort Jaspo TV, Lakewood, Florida, in the USA. Wap gade kata Jaspo TV, Lakewood, Florida, aux États-Unis. Auditeurs, auditrices de la Diaspora TV, Channel 4. Tout le plaisir est à moi d'aujourd'hui en exploitant cette heureuse opportunité dans le but de vous promulguer cet conseil salutaire. Donc, prenez besoin de vous dire combien m'anime et ma joie. En répondant à l'appel donc que le Seigneur lui-même m'a fait justement dans la prédication de l'Évangile. Il est évident de constater à tort et à travers que le monde face au privilège du dernier temps. C'est pour cette raison que le Seigneur nous a permis de traiter un sujet, la sagesse est un privilège du salut. Donc ce matin, je vous invite à profiter de ce grand privilège et prenez le temps de nous écouter et vous serez satisfaits à travers la parole de Dieu. Ce matin, nous voudrions vous demander de bien vouloir pencher vos oreilles en vue de nous entendre à un sujet très achalandé. Peut-être cela pouvant vous aider à mieux comprendre la puissance, la grandeur, l'omnipotence de Dieu. Et bien que dans cette société, on nous a fait croire que toutes choses mauvaises sont noires, on dit non. Premièrement, je tiens à vous faire remarquer que la grande civilisation lui sortit de la famille de la race noire. Et maintenant, chers auditeurs, auditrices, chers bien-aimés dans les seigneurs, leaders évangéliques, partout ça ira, l'heure est arrivé pour que dans le sens du bien, il faut que nous sommes réunis dans le but de traiter une doctrine de monisme en vue de conquérir la force probante de Dieu pour éliminer la force du mal à la nation tout entière. Chers bien-aimés dans les seigneurs, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et nous voulons profiter en même temps de souhaiter une bénédiction à notre pays natal, Haïti. Haïti, Haïti. Que le Seigneur étende sa main. Que le Seigneur longe mène sur Haïti. Que le Seigneur bénisse Haïti. Que le Seigneur bénisse Haïti. Que le Seigneur protège Haïti. Que le Seigneur bénisse Haïti. Toute grâce, c'est la miséricorde. Nous avons commis des erreurs graves réellement. Nous-mêmes, lui-même, nous tous en général, nous avons péché. Et nous pouvons déclarer péremptoirement de la même manière que David, lui-même, dans sa demande de prière, il vient déclarer péremptoirement, Seigneur, si tu as rendu un jugement contre moi, tu as raison, parce que j'ai péché contre toi et contre toi seul. C'est ainsi, je demande à notre chef suprême, le Dieu Elohim, le Dieu El Shaddai, qui a tout pouvoir, que lui fait Haïti grâce à travers tout ça qui a passé là.
On a entendu dire par le biais de toutes les nations, il y a une maladie transmissible qui a ravagé le monde là. Et mais puisque le Seigneur dit le bon pouvoir, sous terre, ni en haut, ça nous marre, sous terre, marre en haut. Au nom du pouvoir qui nous a été conféré, je déclare, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la puissance de maladie, que la puissance infernale, que la puissance de toute germe maladie qui pollue dans l'œil, et bien nous déclarer anathème, que le sang de Jésus protège Haïti, que le sang de Jésus protège les peuples haïtiens, et nous demander, Seigneur, t'en prie, fais appel avec tout haïtien, pour yon uni, pour yon remé l'autre, pour yon suspendre yon la déchirer l'autre. Dans la communauté évangélique, nous t'arrêmé tout leader yon, tout pasteur, diaconesse. Moi personnellement, je lève mes mains devant le trône de Dieu, afin qu'il puisse nous protéger dans sa miséricorde. Que Haïti, capable bénéficiaire de la grâce de Dieu. Ainsi, c'est ma demande. D'ailleurs, c'est ma position le plus entier, c'est mon droit pour que demander le Seigneur grâce pour Haïti. Et je suis certain, en tant que serviteur, en tant que gérant qui travaille dans le champ pour le Seigneur, eh bien, ce matin, que la puissance, que le Dieu Sabaoth, chef armé des anges, capable de voyer des soldats bien équipés venant du ciel pour protéger le peuple haïtien partout côté oyé dans le monde là et surtout en Haïti, et qu'il en soit ainsi. Donc maintenant je vous invite à nous suivre attentivement, parce que notre pays dont nous venons de parler est un pays dont nous avons créé les valeurs. C'est un pays, nous avons des hommes capables, nous avons des hommes très équilibrés. Mais quelquefois, à cause de couleur, nous, ils pensent nous pas qu'à faire rien. Jolia, en nous pas mettant tête que du fait que c'est nous, comme premier peuple noir, qui était levé coquin avec Colonio, pour nous donner liberté à tout noir dans le monde. Ce n'est pas ça seulement pour nous répéter. Mais en nous répéter et en nous pratiquer, en nous tolérer. Parce que ça l'a dit à son répétition liée. Mais je dis à nous arriver dans une phase que les peuples haïtiens ont divisé. Et mais qui ça m'a dit matin? Pardon. Qui ça nous l'a dit matin? Suivant les teneurs de la puissance de notre chef suprême, Dieu dans son omnipotence, Dieu dans sa capacité, et qui t'a remé, que gloire manifester, que gloire lui propager à temps et à travers, eh bien, vu à sa compétence, eh bien, il t'a jugé bon et nécessaire pour créer les cieux de la terre. Et l'elfine fait ça, il t'a trouvé bon pour mettre l'homme là pour gérer la terre. Et il t'a créé l'homme avec plusieurs substances. L'homme a été créé pour quelle raison? Pour la gloire de Dieu. L'homme créé justement pour rendre hommage à Dieu. Et le bon Dieu garde l'homme, il est content pour lui œuvrer. Parce que tout notre bagaille est seulement créé par la parole. Mais pour l'homme, bon Dieu, prend-t-il pour maçonner l'homme et pour le faire l'homme avec plusieurs substances. L'homme, c'est le représentant de Dieu. C'est pour cette raison, dans ma prédication, j'ai l'habitude de vous enseigner, de vous conseiller également, de vous dire, et dans le but de vous faire comprendre effectivement, là où il n'y a personne, il n'y a point Dieu. Si l'homme n'existe,
On n'a pas le droit du tout de parler de Dieu. On reconnaît la préexistence de Dieu à partir de la préexistence de l'homme. À partir de l'existence de l'homme. Parce que l'homme est l'image de Dieu et sa ressemblance. L'homme se compose de trois éléments, l'âme, corps et l'esprit. Mais puisque Dieu est esprit, eh bien, il y a une partie de l'homme qui est l'esprit. C'est pour cette raison que l'homme n'a pas qu'à faire saluer. Il y a quelques bagailles qui arrivent dans la vie où, eh bien, on a besoin d'aller au pied du Créateur. Au pied du Créateur, lui-même personnellement, il connaît qui sont besoin, qui sont manqués. Eh bien, quittez-nous dire. On apprend quelque chose à l'école suivant science éducative. L'homme a cinq sens. Qui ça y est? Lui, la vie, l'odorat, le goût et le toucher. Cinq sens ça, c'est cinq sens ça qui contribuent à la vie de l'homme, qui contribuent à tout ça que l'homme a fait. Et c'est ça qui permet que bon Dieu crée plusieurs sciences pour capable de découvrir la mentalité de l'homme, le bon fonctionnement de l'homme. C'est ça qu'il faut avoir un docteur qui capable prend soin aux pour yeux, mais docteur ça a pas qu'à faire opération avant. Il pas étudié science ça. C'est ça qui fait chaque partie dans l'homme il a une science différente et ça fait l'homme c'est un être qui est très fragile et bien la fragilité de l'homme pour capable jouer une solution hein, c'est seul le Créateur. Et comment on peut le joindre? Et bien, il y a un sixième sens qui besoin de créer pour qu'on comprenne la grandeur de Dieu. Quel est exactement le sixième sens? L'homme créé avec cinq sens, c'est vrai. Mais il y a un sixième sens encore qui créé. Et c'est lui qui paraît mystérieux pour un pile monde. Sixième sens, ça c'est la foi. La foi, la science, pas qu'à parler de lui. La foi, la science, pas qu'à faire découvert. C'est moins avec qu'il a comme croyant. Qu'attendez-nous là, qui comprend la grandeur de Dieu. Et puis avec la foi, que le docteur dit, et puis bon Dieu vire bagaille. Et mais il est temps convenable pour que ni moi-même, ni vous-même, et nous tous qui attendez là, les arriver pour nous capables d'employer le sixième sens là. Sixième sens, c'est qui s'allie, c'est la foi. C'est ça qui fait joli. Hein? À partir du sixième sens ça, que nous manifestons dans nous-mêmes, eh bien, nous aurons l'opportunité de recevoir la grandeur de Dieu dans la vie. Nous gagnons l'opportunité pour nous recevoir la bénédiction de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quelle est exactement la parole de Dieu? La parole, c'est Dieu même. Je lis à l'église par la parole. Jésus-Christ, c'est pas la Bible. Mais Jésus-Christ, c'est la vie. Jésus-Christ, c'est la parole même. Et il y a des gens qui ont la Bible dans les mains, mais qui n'ont pas la parole. Il y a des gens qui ont l'ordre de diriger l'église, mais qui n'ont pas dans la parole. L'ordre de la parole ou dans Jésus-Christ. L'ordre dans Jésus-Christ, on doit agir en bonne et due forme. Maintenant, il est temps qu'on vienne là pour nous dire à tout le monde qui attendait nous là. Le arrivé, soit qu'a passé à pas mal personne chaipoté. Nous même qui croyons, on nous baille bon Dieu première place dans le sixième sens là. Dans Jérémie 10, 23, il dit: Ô Éternel, tu le sais, la voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme lorsqu'il marche à diriger ses pas. Je dis à quelqu'un nous cap marcher. Quelqu'un nous étudie en pile. Quelqu'un nous fait pile recherche. Mais l'avenir, la réussite, n'est pas dépendé de ce qu'on est. Mais il dépend de la grandeur de notre chef suprême. Ou besoin étudier, ou besoin à l'école, ou besoin remplir tête là avec un pile connaissance. Mais si vous ne pas reconnaître que bon Dieu créateur, c'est lui qui est protecteur, c'est lui conducteur, qui pour aider, eh bien, vous avez un pile monde qui charge avec connaissance de grands intellectuels. Et puis on est qui bourretier à bien vivre par celle. Pour quelle raison? Parce que la vie a des gens
la nature capable vivre avec. Mais là en bas la puissance de Dieu, quel que soit ça la nature fait contre eux-mêmes, quel que soit ça la puissance infernale employée, eh bien ou bien pour remporter la victoire, parce que sixième sens l'a manifesté dans eux-mêmes. Matéen, bien-aimé, on nous suspend fait mal. On nous suspend humilier frère nous. On nous suspend humilier sœur nous. Gen moun ki bon côté yo. Son petit temps bon Dieu voye le passé. Sou ka recevoir, recevoir. Prends soin. Et ça fait joli à nous, pile moun ka passe peuple en babétise. Gen moun ka di moun leve moi en l'air. 17 coups de bénédiction à l'Éternel. 21 coups de bénédiction à l'Éternel. On nous prie pour Haïti. Pour mon Dieu délivrer. Gen moun sa babétise, y'a passé moun. Si cœur pas propre, ou pas dire, ou pas prier pour la nation, devenir bon, ou même ou pas bon. Gen moun qui là, gen moun qui là, gen prisonnier la caillou, oui. Gen la qui serviteur, qui gen prisonnier, oui. Gen la qui a prêché l'évangile, madame ni pas gen la voix au chapitre, non. Gen la qui a prêché l'évangile, madame ni son samaritaine, ni, oui. Lui empêche le prêcher l'évangile, lui. Le consort vient une vie qui pas en vie qu'en paix. Et moi, besoin demander la paix d'ailleurs dans votre foyer d'abord. Et au besoin, et un bon serviteur. Pardon. Ou quel petit monde qui est avec, pas vrai? Petit monde, non. Il n'y a pas de droit pour le monter sous table avec vous. Avec petit monde pour vous sous table. Non. L'évangile n'a pas encore percé. Même j'envoie pour yo l'école. Si moun yo voye se tande yo vin jwenn nou la, c'est pour ti esclave. Ou pas prendre comme esclave. C'est pour recevoir. C'est sauver pour servir. Ou doit aider les autres qui pas capable. C'est pas au détriment de la misère d'un autre. Et pour profiter ou même. Je dis à gen moun kap di bon Dieu bon. Même moun la kali, même gérant la coule. Quelquefois dans la misère. Et puis lui-même, la vie du bon Dieu, bon, qui te me dit, papa, c'est mon la bêtise. L'est arrivé pour nous changer la vie. L'est arrivé tous les serviteurs. Il faut que nous assions sur une table dans le but de partager nos idéologies qui deviennent plus complexes que jamais. Parce que l'est arrivé, le monde haïtien face au privilège du dernier temps, il est tant convenable que l'homme se repentit. Repenti de quoi? Repenti de tonneau. Repenti de toute grief que nous commet. De tout mal que nous fait. C'est pas le monde volé seulement que le péché. C'est pas le monde fait adultère seulement que le péché. Grand pile de nous qui commet des actions désagréables. Contre frère nous, contre soeur nous, contre famille nous, contre petite, etc. Et mais il est arrivé pour nous réfléchir. Et nous pour nous prendre des dispositions drastiques et draconnières. À l'égard de votre vie. Un exemple très clair. Gagnez nous cap goumen des cob. C'est vrai, cob bon pour aider nous. Mais c'est nous de prendre cob là pour nous dépenser. C'est nous de prendre pour nous diriger. Mais avant même de procéder des intérêts, des biens effectivement que nous avons cherché. Mais c'est la vie pour nous gagner d'abord. Gagnez nous qui prend assurance de 300 000 dollars. Léo mourit, puis il y a un bel enterrement. Mais oublié, avant la mort, seul moyen à passer pour bien vivre, c'est la vie protégée pour gagner. Comment vivre pour protéger? Là, on a une assurance de vie, pas assurance de vie. Ou une assurance qu'il a pour protéger entièrement, qu'il a pour protéger certaines choses. Mais le premier bagage qu'on a besoin, c'est sécuriser la vie. Il y a un seul monde qui a sécurisé la vie, c'est Jésus de Nazareth. Joli a du fait que nèg la font classe. Du fait qu'elle t'étudie, elle a un doctorat dans branche. Livre fort comprendre que pas même mon Dieu. Livre fort comprendre que la science philosophique de tout son pas qu'à prouver, n'est pas existé. Et mais qui te nous dit, sixième sens t'a demandé la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Eh bien, maintenant, suivant les écrits de la parole de Dieu,
suivant l'évangile selon Saint Jean, eh bien, chacun de nous qui l'a besoin d'accepter le Seigneur Dieu. Et ça, capable de prouver effectivement au Seigneur qui inscrit dans le registre et pour procéder acte authentique en tant que le Fils de Dieu. Dans Jean 1er 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si réellement nous sommes enfants de Dieu, nous c'est héritiers. Et si nous héritiers, qui ça nous héritiers? Premièrement, nous héritiers la vie éternelle. Et bien, Kounia nous dit à travers Jésus de Nazareth, nous tous nous sommes co-héritiers de Dieu. Et puisque Dieu est esprit, et bien nous autres qui devenons comme petit bon Dieu, et bien nous sommes des esprits réellement. C'est pour cette raison, sur cette terre pervertie, on nous a considérés comme des hommes et des femmes mystérieux. Pour quelle raison? Parce que les bagages que mon Dieu fait pour vous, il n'est pas fait pour un tel. Les miracles que mon Dieu fait dans la vie, il n'est pas fait pour l'autre monde. Il y a des gens qui attendent que la science fait. En pile nous là, docteur, fin bon rendez-vous pour dire pour opérer nous, soit pour cancer, soit pour telle qualité maladie. Et puis dans tout dernier examen qui fait là, docteur a dit pas de maladie, et bien avec la prière, avec la foi qu'on mettait dans mon Dieu, ça vient permettre que qu'on y a une autre manifestation qui fait, parce que l'homme créateur ou te remettre lui, les gros pièces en réserve quand même, et bien lui remplacer sortement qu'il y a. Et mais quelquefois, bien aimé, c'est parce que nous pas intelligents, nous faites pour nous intelligents, nous faire pour nous pousser en pile intelligence, pour nous capables de comprendre la grandeur de Dieu. Dieu pas jamais tenté personne. Dieu pas jamais présenté tentation mal devant l'homme, parce que lui remet nous. Et ça fait le dit dans Jean 3 verset 16. C'est parce que après avoir Dieu constaté le sort de l'homme, d'avoir que l'homme perdu, l'homme tombé dans le néant, mais Dieu lui-même dans sa miséricorde, de son omnipotence, et bien il voulait sauver nous, parce qu'il a un intérêt dans nous-mêmes en tant que créatures. Et bien qui ça le fait? Il a créé un autre plan salvatrice, un autre plan, et bien pour sauver l'homme. Et bien il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu qui est esprit, eh bien, pour te sauver l'humanité, lui accepter, lui transcender par le bien de Marie, pour le prendre la chair humaine. D'ailleurs, on ne peut pas crucifier un esprit, puisque Dieu est esprit. Parce que un esprit, c'est comme un petit vent qui se flamme sur un océan. C'est ça que fait Dieu, dit dans même Jean chapitre 3, verset 7. L'homme qui accepte la parole là, lui t'en coupe son vent. Et bien, puisque Dieu considère nous comme un vent, et bien, un vent pas de couleur. Un vent lui-même, lui pas de chair. Et bien, bon Dieu, t'a besoin de prendre matière. Il t'a besoin de recevoir le bastonnage. Il a été même ligoté pour le pardon de nos péchés. À notre place. Et bien, il a accepté, prend l'essence par le biais de Marie. Et pour lui prendre l'essence, c'est ça fait à la croix. Lorsque dans cette parole yo qui t'est traitée, est-ce que nous songez quand le Messie te dit, femme, voilà ton fils? C'était le fils de Marie qui a été crucifié. Mais notre Dieu, le Dieu créateur, n'a pas été crucifié. Et d'ailleurs, on ne peut pas crucifier un esprit. C'est pour cette raison, nous autres, Jolia, puisque nous manquons de comprendre les teneurs de la grandeur de Dieu dans nous, eh bien, nous avons plus de problèmes. L'homme, non, son mystère. Et nous tout qui là, à partir de ce moment que nous approuvons et nous tolérons, nous acceptons, nous mettons en pratique le sixième sens qui se trouve dans l'homme, parce que science éducative pas bon six sens, c'est cinq sens. Comme je vous ai déjà répété, l'huile, la vie, l'odorat, le goût et le toucher, c'est cinq sens. Mais sixième sens, ça c'est la foi. Et bien, il y a nous qui là, docteur, il est arrivé, il était trois mois pour aller mourir, et pourtant, l'on applique le sixième sens là. Le Seigneur bon la vie.
Avant de finir, mes chers bien-aimés auditeurs, auditrices, est-ce que nous connaissons nous qui l'a ou te prend la rue pour une dernière fois? Quelqu'un qui l'a te couché, couvri pour une dernière fois pendant que j'en me lever? Parce que pendant couché, corps a reposé, l'esprit a écarté, corps a la prémêlé. Et pourtant, la puissance du malin qui doit jouer nous, lui faire salver. L'esprit a vu monter dans le corps, pas qu'entrer, mais du fait qu'on t'est invité dans le sixième sens là, pour dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur, prends contrôle, je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel, le Dieu omniscient, le Dieu El Shaddai, soit en aide. Mes familles en la main. Et puis après le Seigneur pour ton secours. De la même manière, ce matin, mes bien-aimés, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Et je profite de cette occasion en même temps pour vous rappeler que nous sommes à la chaîne 4 Diaspora TV, une chaîne de télévision qui se trouve dans le département de Palm Beach, Florida. Quand vous aurez l'opportunité, n'hésitez à aucun moment et portez votre coup de part. Et si vous avez besoin de quelques informations, n'hésitez à aucun moment d'appeler notre directeur de programmation, directeur radio, Nouvelle Lumière et autres. Et vous serez réellement satisfait. Pas oublier, si vous voulez entrer en contact avec nous, 561 305 40 24. 561 305 40 24. Et l'essayer de placer nous comme dirigeants et comme gérants dans l'église primitive de la maison de Dieu qui trouvait l'an 2201 Nord 10, 2e avenue Delray Beach. Toute information, et bien pendant à regarder vidéo, à regarder et vous avez chance sur Facebook pour joindre Diaspora TV à l'heure avant dormir depuis 6h jusqu'à demain matin. Vous aurez l'opportunité d'entendre Diaspora TV, une chaîne télévision haïtienne, et cela réellement capable d'occasion de bénédiction. Et qu'il en soit ainsi pour vous. Que le Seigneur vous accorde grâce et paix. Passez un week-end agréable en bas de mes papa bon Dieu tout puissant. Que bon Dieu bénisse Haïti. Merci, que Dieu vous bénisse.